Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, j'ai l'impression que je suis bleue. Je sais pas si c'est mes yeux qui ont de la misère à cause de ma lumière, mais si je suis bleue, je m'en excuse. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est à cause du chandail, mais j'ai l'impression de pas être la bonne couleur présentement. Alors j'espère que je suis pas super, mais je vais le voir dans le montage. Ok! J'ai fini de jaser. Bon, ok. Oublions le fait que je suis bleue, rose, whatever, et que ça fit pas partout pour mon affaire, puis que je suis pas capable de me concentrer, c'est que je vais switcher ça de bord. Aujourd'hui, je suis vraiment une vidéo super excitante parce que faut que je remercie une cliente qui est venue cet automne, puis elle avait un super de merveilleux coton ouaté de Harry Potter, puis je suis une fan finie de Harry Potter, fait que là, quand j'ai vu son coton ouaté, j'ai fait oh! Il est trop beau ton coton ouaté, où c'est que tu as pris ça? Puis là, elle me dit, ben, j'ai acheté ça chez Ardennes, ils ont une collection Harry Potter. Je suis comme, oh, quoi? Fait que je m'étais dit, hey, je vais aller magasiner ça tout de suite après, blablabla. Ça m'a sorti de la tête. Quelle honte. J'y ai pensé un mois plus tard. Fait que là, j'étais allée magasiner ce site de Ardennes. Récemment. Puis il restait encore des choses! Fait que j'étais vraiment contente. Il restait vraiment pas grand chose, mais il restait un petit peu de chandail, de coton ouaté, ces choses-là. Fait que je me suis gâtée, puis en plus c'était tout en rabais. Fait que je suis comme, bon, ok. J'ai peut-être pas tout ce que j'aurais voulu, mais au moins j'ai payé tout moins cher. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une commande en ligne, j'ai fait toutes les Ardennes de ma région pour essayer de trouver le plus de choses possible. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez sur internet. Fait que j'ai réussi à me trouver un morceau d'Harry Potter dans les magasins de Ardennes. Et je me suis trouvé ce merveilleux chandail-là de Disney de Hakuna Matata. Oh mais il est cute, il est un peu 10$. 10$, c'est ce merveilleux chandail-là. Fait que j'aime vraiment beaucoup ce t-shirt-là. Je suis bien contente de mon petit chandail de Hakuna Matata. Fait que sur ce, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, puis aussi je vais vous montrer en les portant qu'est-ce que ça donne sur moi. Fait que on commence tout de suite la vidéo 50 millions d'heures plus tard. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Là, on commence. Donc, pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai réussi à trouver en magasin. Donc, comme je vous dis, j'ai trouvé celui-là. Mais en plus de ça, j'ai trouvé ce chandail-là. Quand même beau, donc je vais vous le montrer après. À la fin, je vais toutes les porter. Et ma commande en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres fans finis de Harry Potter qui sont abonnés à ma chaîne? Parce que j'ai besoin de savoir qui vous êtes pour qu'on puisse partager un amour commun. Étant donné que Harry Potter, ça a été vraiment toute ma vie. Mais pas toute ma vie. Je vais vous raconter une petite histoire. Mais quand Harry Potter est sorti dans les années 2000, début 2000, si ma mémoire est bonne, quand c'est sorti, le premier film, je voulais absolument rien savoir des films. J'ai jamais écouté le premier quand c'est sorti, malgré la folie furieuse qu'il y a eu. Je m'en foutais comme dans 40. Mais quand le deuxième film de La Chambre des Secrets est sorti, j'ai écouté ce film-là puis j'ai tombé littéralement en amour avec le film. J'avais pas vu le premier, ok? J'ai juste vu le deux puis j'ai comme « Oh my god, ok, c'est quelque chose que j'ai besoin dans ma vie. » Fait que après ça, j'ai écouté le premier film, j'ai écouté le deuxième et je suis devenue une fan finie de Harry Potter. Donc, pour recommencer, j'ai pas mon premier petit chandail ici. C'est... Les grandeurs, c'est un petit peu compliqué, ok? Je vais vous le dire. Donc lui, j'ai réussi à acheter un small. Mais j'ai pas juste du small. J'ai un peu de toutes les grandeurs. Donc c'est le chandail de Slytherin. Serpentard. Quand même beau le petit chandail. Ensuite de ça, j'ai un chandail de Gryffondor. Je pouvais pas passer à côté de ça. Lui, c'est un médium. Mais ça va me faire là, quand même. Donc c'est un peu dans le même style que celui-là. Mais... en gris et en Harry Potter, il y a... Qu'est-ce qui est écrit, ça mange? Ah, c'est écrit Harry Potter, ça mange. Ah oui, ce chandail-là, je le trouvais tellement cute, là. C'est un small, mais il y a comme une petite... un petit nœud ici.
Fait que j'aimais bien ça. Fait qu'il y avait une petite boucle, donc c'est écrit Hogwarts, je pense. Puis bon, Hogwarts. Comme ça. Puis, je me suis acheté. La chose la plus. Non, je vais l'utiliser au bout, là. Mais je me suis acheté des bas. De Harry Potter. Qu'on va ouvrir les bas. Sans me blesser. Ce qui reste un défi. Oh, ils sont vraiment beaux! C'est écrit Hogwarts dessus. Puis ils sont vraiment épais. Oh mon dieu, je m'attendais pas à des bas épais. Je m'attendais à des petits bas minces. Mais hey, ça va être parfait pour cet hiver, ça. Je suis vraiment contente de mes bas. Puis ça, les bas, là, de mémoire, ils étaient 5$. Là. 5$. Ok, on va passer maintenant à la partie de la vidéo où j'essaye tout ce que j'ai acheté. Mais ça aussi, comme je dis, ça en faisait partie. Mais ça, c'est une partie Disney. Mais c'est pour ça que j'ai commencé ma vidéo avec lui parce que je l'aimais beaucoup. Fait que je vais aller me changer. Je vous reviens. Ok, j'ai pas enlevé l'étiquette, ok? Là, fait que ignorer le fait que j'ai une étiquette. Donc, j'ai le chandail de Serpentard. Je trouve qu'il est très très bien. Je vais le porter en masse, pour de vrai, là. Ça, c'est mon genre de t-shirt. Des t-shirts qui ont une référence à quelque chose que j'aime, normalement, je les utilise à côté. Donc, on passe au deuxième. Ok, ça, c'est le coton-été que je crois que j'ai acheté au Ardennes et non sur le site. Il y a vraiment des manches très très longues, comme où j'ai des brocos. Je dois avoir des brocos, on s'entend. Mais non, très très bien. Je l'aime bien. Puis en plus, il y a une capuche avec lui, donc j'utilise mes capuches. Donc, ça sera pas une perte. Fait qu'on passe au troisième. Ok, donc ça c'est le chandail de Gryffondor. Donc on voit ici, là, je vais être plus capable de vous montrer, c'est écrit Harry Potter. Est-ce quelque chose écrit sur celle-là? Non. Encore une fois, les manches sont extrêmement longues, mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Manches longues. Mais c'est aussi un médium si ma mémoire est bonne, celui-là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un médium. Fait que c'est normal que les manches soient un petit peu plus longues, mais pour vrai, très confortable. Je l'aime bien. Il n'y a rien dans le dos. Fait qu'il me reste un morceau à essayer. Ok, donc le dernier t-shirt, je suis en amour. Comme je vous dis, ça, c'est vraiment mon type de chandail avec en plus le petit nœud en bas, là. J'aime ça au bout. Que non, je suis vraiment, vraiment contente. Je vais essayer les bas, par exemple. Juste par curiosité. Je vais me reculer. Ok, si vous voulez les bas qui remontent haut, ils remontent très, très haut. Ils sont vraiment confortables. J'aurais dû acheter deux paires. Je regrette mon choix. Alors, c'est tout ce que j'ai acheté pour la collection de Arden et Harry Potter. Ma clame m'a aussi dit que c'est en l'air qu'ils font ça toutes les années. Fait que je vais essayer de m'en souvenir pour l'année prochaine pour essayer d'acheter un petit peu plus de stock parce que de ce que j'ai vu sur internet, c'était une très très grosse collection. Alors, je suis comme déçue un peu là, de pas avoir pu profiter plus de ça. Je sais qu'il y avait un carnet. J'ai comme, oh, puis les calepins, j'ai un problème dans la tête. J'ai besoin de tout ça dans ma vie. Puis je les utilise, mais pas toutes. En tout cas, c'est un problème que j'ai, mais je m'assume. Fait que, non, c'est ça. Il y a plein de choses que j'aurais aimé avoir. Je sais qu'il y avait un pyjama aussi. Il était vraiment beau, mais en tout cas. Meilleure chance la prochaine fois. Donc, je vais me réessayer l'année prochaine si je suis capable. Alors sur ce, passez une excellente journée. On se revoit très bientôt. Bye!